Hey Bull, tu savais qu'on pouvait lire l'avenir de quelqu'un dans les lignes de sa main? N'importe quoi. Laisse-moi essayer. Tu vas voir. Là, je vois dans ta main que tu es assis sur un trésor. Ils sont trop ouf, ces humains. Oh, regarde, une pièce. Et maintenant, je vois que tu vas attraper des puces. Elles vont te piquer et ça va te gratter tout partout. Des puces, ça gratte. C'est vraiment vrai? Attends, je vois autre chose. Pour chasser les puces de la maison, il faudra que tu sois courageux et que tu donnes un bon bain à Bill. Un bain? Un bain? Ah, ça non! Pas le bain! Non, 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 Aaron, non! Poisson d'avril, Bill! Ouais, d'accord, c'est quoi cette histoire de poisson? Oh, fais pas cette tête! Aujourd'hui, c'est le 1er avril, le jour où tout le monde peut faire des blagues à ses amis! On te fait marcher depuis le début! C'est moi qui ai mis la pièce de monnaie sous le coussin! Et j'ai fait semblant d'avoir des puces! Attendez, si je comprends bien, les humains ont un jour spécial dans l'année pour faire des blagues aux autres en lisant l'avenir dans les lignes de la main. Et... partez! C'était trop bien! C'est sûr, tu as un don! C'est vrai, tu as un don. Comme moi. Tu as aussi un don, toi? Bien sûr. Moi, je sais lire l'avenir dans les lignes de la pâte. Mais oui, c'est ça. Pourquoi pas dans les étoiles, tant qu'on y est? Bon, bah si vous me croyez pas, je vais aller voir ailleurs, tant pis. Non, attends, je veux savoir, moi. D'accord, je vois que tu es... une tortue. Waouh, ça oui c'est vrai. Je vois que ton meilleur ami est un chien. Caroline, c'est pas écrit dans ta patte ça. Tout le monde le sait enfin. Et aujourd'hui, tu vas attraper un coup de soleil. Oh là là, un coup de soleil. Non. C'est bon, j'ai plus rien à craindre maintenant. Qu'est-ce qu'il lui prend à Caro? Je sais pas du tout. C'est sans doute un de ses nouveaux jeux. Allez, c'est parti, au suivant. Salut Bill. Dis, t'as remarqué ma... Hein? Donne ta patte, je vais deviner. Tu viens de sortir du toilettage. Oui, c'est vrai. T'as vu ma nouvelle coupe? J'ai dû rester 3 heures sans bouger. Mais ça valait vraiment le coup, non? Mais c'est incroyable comment t'as deviné. C'est simple, j'ai un don, tu vas voir. Oh non! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que ma patte est sale, je le supporterai pas. Non, ta patte n'est pas sale. Par contre, ton avenir, si. Demain, tu n'auras pas de toilettage. Hein? Quoi? Une journée entière sans toilettage? Mais c'est pas possible! La bonne nouvelle, c'est que ta patte ne dit rien pour aujourd'hui. Tu pourrais y retourner, non? Oui, je pense. Mais j'ai pas rendez-vous. Il faudrait une situation d'urgence. Roule-toi dans le sable. Quand tu seras toute sale, ce sera une situation d'urgence. Ça va pas, non? Tu rêves, hors de question que je me salisse. T'es sûr? Le toilettage ferme dans 1 heure. Allez, loulou. Oh. Mon shampoing. Voilà, c'est bien. Et n'oublie pas derrière les oreilles. Mais elle est devenue zinzin ou quoi, loulou? Petit chaton profite d'un moment détente sans sa maîtresse. Que dirais-tu d'un gentil doudou pour évacuer le stress? Loulou, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai pas le temps de...
Bon, elle est d'accord. Mais dans ce cas, pas de toilettage demain. C'est exactement ce que Bill avait prédit. Il est trop fort. Mais si, Bill l'a prédit. Je vais attraper un coup de soleil. Hé, Bill, c'est quoi cette histoire de... Oh, waouh! Je vois que Pouf va te donner un truc super bon à manger. Enfin, si tu lui fais un gros câlin. Un câlin? Non, c'est pas question, hein. Les câlins sont comme des œufs à moelle, très rares et très chers. Bah, peut-être que je vais faire une exception. Hé, mais arrête, qu'est-ce qui te prend? Oh, dis donc, il t'aime bien. C'est la première fois que je le vois aussi affectueux. Oui, tu as la cote, Pouf. Oui, c'est bien, mais arrête maintenant, d'accord? Parce que sinon, tu vas me faire tomber. Mais ma place. Non, non, mais j'y crois pas, c'est vraiment arrivé. C'est trop fort, les blagues du 1er avril. Bill, tu viens avec moi? Tu devrais attendre un peu, je sens qu'il va y avoir du spectacle. Et pas de toilettage demain, n'oublie pas, hein? Pas de toilettage demain, pas de toilettage demain, pas de toilettage demain. Je peux pas me passer de toilettage, faut absolument que j'y retourne tout de suite. Mais elle est complètement ouf. Et comment tu savais qu'il allait y avoir du spectacle? Bah, je peux prédire l'avenir, regarde. Oh, par mes oreilles, Caporal va te griffer les fesses. Caporal! Alors, tu veux me griffer les fesses, à ce qu'il paraît? Ça va arriver, ça va arriver. Hein? Salut, Caporal, belle journée, hein? Désolé, mon pote, je crois que ta prédiction n'arrivera pas, finalement. Ouais, mais ça serait arrivé si Robin n'avait pas tout gâché. Oh, la glace, c'est plus froid que ce que je pensais. Elle a vu, j'ai attrapé un rhume. Et moi, ma maîtresse a refusé de s'occuper de moi une troisième fois. Bill, il faut que tu leur dises maintenant. Nous dire quoi? Poisson d'avril. C'est parce que le 1er avril, les humains se font des blagues. Les lignes de la pâte, et vous y avez vraiment cru, c'est trop fort. Attends, ça veut dire que je me suis salie comme ça pour rien du tout? C'est pas juste. En plus, la journée des blagues est déjà finie. On peut plus rien faire, nous. Mais si, au contraire. Blaguera bien qui blaguera le dernier. Écoutez. Robin, un problème? Non, non. Mais j'ai découvert qu'on pouvait lire l'avenir de quelqu'un en regardant ses yeux. Bien essayé, mais c'était hier, le 1er avril. Oui, je sais, mais justement, c'est pas une blague. Ouais, c'est logique, mais bon, par contre, c'est quand même un peu bizarre que tu aies le même don que moi. Mais c'est pas un don. Tout le monde peut le faire. Viens, je vais te montrer. Je vois que Ming va bientôt passer devant chez nous en skateboard. Quoi? Arrête, Caro, je sais que tu me fais marcher. Je vois que quelque chose va venir du ciel et tomber directement sur ta truffe. Nom d'un os à moelle, c'était vrai. Quoi? Je veux savoir ce qui va m'arriver, Caro.
Bill, j'ai vu que papa allait te forcer à prendre un bain. Un bain? Comment ça un bain? Non, je veux pas, faut que je me cache. Bill, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as tout gagné, direction le bain. Oh non, pas le bain, tout sauf le bain. Et moi un bain. Voici la ville. Ben oui, le mois d'avril c'est pas fini. Les humains font des blagues juste le premier jour, pas nous. Vous m'avez bien eu les copains. Je vous demande pardon de vous avoir fait marcher. Il reste un peu d'eau dans ton bain, hein? Je peux y aller. Si tu te dépêches, elle sera encore toute chaude. Ah, génial. De l'eau chaude. Hey, les copains, j'ai une super idée. On recommence demain, mais cette fois, les blagues, on les fait à boule. Ouais, ouais. Depuis la nuit des temps, les hommes sont fascinés par la Lune. Mystérieuse, elle leur a paru longtemps inaccessible. Neil Armstrong est le premier homme à avoir foulé son sol, le 21 juillet 1969. Waouh, j'aimerais trop aller sur la Lune. Oh, moi aussi, moi aussi. Les gouttes du vétérinaire vont bientôt te déboucher les oreilles, mon pauvre caporal. Vous rêvez d'envoyer votre animal préféré sur la Lune? La limonade Lunabulle lui offre le voyage. Inscrivez dès maintenant votre ami à quatre pattes pour la sélection. Alors ça serait trop génial. Vous deux, sur la Lune? Ouais. Visiter les étoiles, ça a toujours été le plus grand rêve de mon chat. Chut. Bonne chance, vous allez en avoir besoin. Ah, les copains, je vais faire de vous des astronautes. Wouh, je vole. Wouhou, Bill et Caro, parfait. Vous êtes déjà des champions de l'apesanteur. Oh, un trampoline. Allez, caporal, fais-moi ce parcours en moins de 15 secondes. Go, caporal, go! Secondes et 11 centièmes. Bravo! Première phase réussie. Continue comme ça et tu auras la chance d'être le premier chat à marcher sur la Lune. Quoi? Comment ça marcher sur la Lune? J'ai pas envie d'y aller, c'est beaucoup trop loin. Phase numéro 2, mets ta tête là-dedans. Pas question! Ouh là là! Est-ce que ça va, Bill? À toi, Caro. Allez, vas-y, Caro. L'équilibre, bof bof. Bon, on va passer à autre chose. Phase numéro 3,
manger des rations spatiales. Sauf qui peut. Reviens. C'est délicieux. C'est moi qui l'ai cuisiné. Que tu veux, toi? C'est horrible, j'en peux plus. Aide-moi, je veux pas aller sur la lune. C'est quoi encore cette embrouille? Rentre chez toi. On va tester votre sang-froid. La tomate ne doit pas tomber. Tada! Gili, 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 gili. Gili, 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 gili. Oh! Ah non, c'est de la triche. Pas le droit de se servir de ses oreilles, ça compte pas. Bon, allez, est-ce que vous êtes prêts pour le niveau 2? Caro, c'est perdu. Toi, Bill, sans les oreilles. Attention, c'est parti, niveau 3. Oh non, je peux pas sans les oreilles, c'est impossible. Alors, sang froid, très très insuffisant. Je reviens tout de suite. Hein? J'en ai ras-le-bol de son entraînement. La lune, c'est nul. Et en plus, on gagne même pas de salade. Et si on allait voir où en est le moustachu? Non, 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 non. Ne bouge pas. Je reviens tout de suite avec le tuyau. Bah alors, ta piscine aujourd'hui? Il est trop mimi, ton bonnet. Ma maîtresse veut me faire jouer les poissons-chats. C'est quoi le rapport avec la lune? C'est au cas où je tombe dans la mer à mon retour. Oh, oh non, 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 non. Me revoilà. Caporal, on n'a pas encore terminé. Dommage, j'aurais bien aimé le voir nager. Je peux presque tout supporter, mais pas l'eau, c'est trop mouillé. Bon, tant pis pour toi. Il y avait une belle récompense qui t'attendait. Un tonneau rempli de hareng sort. Quoi? Et c'est maintenant qu'elle me dit ça? Il faut que vous m'aidiez à gagner. Bah, tout à l'heure, tu voulais perdre. Faudrait savoir. Si je vais sur la lune, vous aurez la paix pendant 2 semaines entières. T'entends? Très t'entends. Oui, c'est clair. On va te faire un entraînement du tonnerre, caporal. Équilibre, vitesse, tout ce qu'il faut. Génial, on y va. C'est parti. Alors, j'espère que t'es prêt pour le niveau 1. Équilibre en zone dangereuse. Tu dois rester accroché au dos de roquette le plus longtemps possible. Eh oh, ça sent l'arnaque, votre truc. Est-ce que tu veux gagner ou pas? Mais tu vas me lâcher, oui? Tu as entendu des sauts tout de suite? Franchement, quelle bande de malotrus! Incroyable! Quel sens de l'équilibre! Waouh! Un vrai astronaute! Bill! Caro! Oh. Vous avez fini l'entraînement? Il est où votre chat? Parti! Pourtant, c'est fabuleux d'aller sur la Lune, tu ne trouves pas? Peut-être que pour des animaux domestiques, c'est pas aussi cool que pour nous. Hein?
Allez, je vais y aller à fond. On va voir si tu peux résister à un décollage. Je suis prêt. Doucement, Bill, il risque de vomir. Il faut que ça aille plus vite. Caporal, Est-ce que tout va bien? Si ça va, je me sens fort, hyper fort même. Je suis le meilleur. Je crois qu'on a fait de lui un monstre. Ah, vous voilà enfin tous les deux. Je vous ai préparé un tout dernier entraînement trop cool. J'ai compris, la lune, c'est pas trop votre truc. C'est pas grave, vous inquiétez pas. On arrête l'entraînement et on va jouer. Caro, t'entends ce que j'entends? Ah ouais, j'adore l'idée. Bill, attrape ça. Bonjour à tous. Nous voici à quelques instants du décollage. Chaud devant. L'équipage est fin prêt et surtout Caporal, le chat. Qui a... Alors ça y est, Caporal va s'envoler pour la lune. Bon vent. Ça c'est clair, à nous les vacances. Nos caméras sont braquées sur lui. Je vous laisse d'ailleurs admirer son air réjoui. Il a une tête bizarre, Caporal. On dirait... Madame Stick. Oh mais oui, c'est Madame Stick. C'est pas possible. Il est où, Caporal, alors? Miaou, miaou. Aller sur la lune, c'était son rêve à elle. Mais je comprends pas. Tu l'as bien gagné, ce voyage sur la lune. Ouais, et un gros tas de harengs surtout. Attention, le compte à rebours va bientôt commencer. Super. Donc il part pas. Et en plus, il va nous pourrir la vie avec ses poissons puants. Peut-être, mais regarde ce qu'on a, nous. Waouh. T'as raison, Caro. On n'est peut-être pas sur la lune, mais on a de la lunabule. Régalez-vous. 8, 7, 6, 5, 4. Opération lunabule. Lancement réussi. 1, à l'image des réacteurs. Et c'est parti.